L'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation a signé le mercredi 13 septembre 2023 avec la Banque ouest-africaine de développement un accord de partenariat. 3 jours de dépistage des maladies cardiovasculaires à Anyama. L'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation et la Banque ouest-africaine de développement ont signé un accord de partenariat. Cet accord vise à apporter des finances durables pour répondre aux problématiques de résilience du changement climatique et attirer plus de ressources en finances climatiques. La BOAD est un acteur majeur du marché financier. Les SGI également sont des acteurs majeurs du marché financier. Aujourd'hui, les SGI sont des acteurs, je dirais même les acteurs clés de ce marché, parce que les SGI contribuent justement au développement de ce marché et également à lever des fonds et à financer l'économie de nos États. On est aujourd'hui 35 SGI à travers toute la zone UMOA. On a une grande concentration des SGI en Côte d'Ivoire. On le disait tout à l'heure, les SGI à elles seules ont levé depuis le début du marché plus de 19 000 milliards de francs CFA. Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs actions stratégiques pourront être envisagées. Ce sont l'accélération des investissements climatiques dans des secteurs clés, la poursuite de la mobilisation des ressources concessionnelles auprès des fonds climatiques au profit des États et la promotion de l'innovation financière pour accroître l'investissement privé en faveur du climat. La signature de ce protocole d'accord pour formaliser encore plus le partenariat qui existe déjà entre la BOAD et les acteurs du marché financier régional, pour développer de nouvelles activités, pour pouvoir être en mesure de mieux structurer le financement que nous apportons au profit de nos États, mais également du secteur privé, mais aussi pour pouvoir attirer encore plus de ressources. Ce partenariat se veut être un cadre collaboratif pour permettre aux deux structures de mieux organiser les relations qui existent déjà entre elles et être un levier important de la mobilisation de la finance climatique des États. La question de la protection de la vie privée, de la diffamation et de l'atteinte à la dignité humaine est un enjeu majeur dans le domaine du journalisme. Avec le développement des réseaux sociaux et l'accès facile à l'information, il est de plus en plus facile de publier des informations sensibles qui peuvent nuire à la réputation des personnes. C'est dans ce contexte que l'Autorité nationale de la presse a choisi comme thème « Vie privée, diffamation ». Atteinte à la dignité humaine, comment informer sans nuire en Côte d'Ivoire? Pour cette 22e édition de l'ANP Academy qui s'est tenue le jeudi 14 septembre 2023 à la Maison de la Presse au plateau. En apprenant et en maîtrisant les règles de ce métier, les premières règles de ce métier sont des règles techniques, des règles d'écriture. Il faut pouvoir maîtriser ces règles-là. Par l'apprentissage et par la connaissance. Un journaliste est fondamentalement tous les jours en apprentissage. Donc, cet apprentissage doit nous permettre de maîtriser les règles techniques de l'écriture journalistique pour éviter de commettre la première nuisance. La première nuisance, nous la commettons contre nous-mêmes. En Côte d'Ivoire, le droit à la vie est protégé par la loi qui interdit la publication d'informations liées à la vie privée des personnes sans leur consentement. Les journalistes doivent donc veiller à ne pas publier les informations qui pourraient porter atteinte à la vie privée des personnes. On ne doit pas informer en nuisant, c'est ça la vraie question. On doit s'interdire de nuire lorsqu'on informe, et cela est possible. Pour cela, il faut respecter les textes fondamentaux, il faut respecter les lois. Il faut respecter les textes conventionnels, dont le code de déontologie. Il faut respecter les règles professionnelles du journalisme. Avec l'addition de tous ces éléments-là, on peut écrire, dire ce qu'on veut, sans nuire. Au terme de cette session de l'ANP Academy, il ressort qu'informer sans nuire en Côte d'Ivoire est un travail qui demande une grande responsabilité de la part des journalistes et des acteurs de l'information. Le respect de la vie privée, la vérification des informations et la précaution face aux sujets délicats sont des règles de base à suivre pour éviter les dérives et présenter une information juste et équilibrée.
Mesure de taille, prise de poids, prise de tension. Ici, à l'hôpital général d'Anyama, séjour de dépistage gratuit contre les maladies cardiovasculaires pour les patients. À la pesée, ils sont aux prises de constante. D'accord ? Ensuite, aux prises de constante, on détecte, il y a un médecin qui détecte les anomalies. Si vous avez une anomalie dans vos prises de constante, on vous envoie directement voir le médecin. Quand vous voyez le médecin vous donne les conseils et vous demande quelquefois de faire des analyses complémentaires. Là, par exemple, on a une dame qui avait une tension à 22. On l'a fait venir directement aux urgences pour la prendre en charge. Une initiative menée par Prudence Fondation, la branche caritative du groupe Prudential, diligentée par l'ONG Agis. Généralement, les villes les plus grandes sont celles vers lesquelles les patients sont acheminés lorsqu'ils souffrent de pathologies graves et sévères, comme les infections respiratoires aiguës. Mais notre action a consistait à pouvoir ravitailler les centres de santé qui étaient les plus petits et qui étaient plus proches pour que si une personne, s'il s'avère qu'une personne souffre de maladies respiratoires et qu'elle est évacuée au centre de santé de proximité, on puisse déjà lui donner le soin sans avoir besoin bien sûr de l'acheminer vers le centre de santé de la plus grosse périphérie. Les patients pourront donc connaître leur statut de santé à travers plusieurs examens afin de connaître la pathologie dont il souffre. En fait, dans l'avion, on ne sait jamais. Il ne sait pas actuellement, il ne sait pas j'ai quel problème au niveau de la santé. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin pour participer au test de dépistage, c'est tout. La campagne durera 3 jours, notant que le dépistage est effectué par des spécialistes de la santé. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur 7 Info et sur 7info.ci.